l'engagement de l'administration Moïse Lafontaine à reconstruire Haïti et à la préserver de toute commotion nocive pour ses fils et ses filles, nous commande d'accomplir scrupuleusement les devoirs de notre charge. Nous le faisons imprégné de la sensibilité sociale nécessaire afin d'apporter des réponses cohérentes aux interrogations de toutes les composantes sociales qui expriment vis-à-vis de l'État. Ces attentes se déclinent en termes de garantie de leurs droits et libertés, de respect de leurs biens, d'amélioration de leurs conditions de vie, de fourniture de services vitaux, de reddition de comptes, de l'utilisation des ressources communes et publiques. En cette conjoncture où déferlent des vagues de contestation et de revendication, nous avons la responsabilité de maintenir et de renforcer la relation de confiance avec les différentes composantes de la population haïtienne. Aussi, notre attachement au bien-être de nos compatriotes et notre volonté de réussir à concrétiser les politiques publiques prônées par le leadership présidentiel nous invitent à dégager la valeur ajoutée de nos prestations pendant les derniers mois à la tête des plus hautes institutions de services publics du pays. L'administration Moïse Lafontaine vous a fourni des instruments de travail et d'orientation susceptibles de vous guider dans les actions à entreprendre. L'agenda législatif, les feuilles de route, l'arrêté sur le train de vie de l'État et la caravane de changement sont, entre autres, les expressions d'un modèle de dynamisme et d'action immédiate ayant pavé la voie au démarrage de la machine du changement véritable auquel nous aspirons. Ensemble, nous allons établir le bilan du travail réalisé au niveau de chaque ministère, de chaque organisme auquel il incombait d'œuvrer pour donner des résultats en posant les jalons d'un avenir meilleur dans le souci du développement économique et social. Aménager le climat propice aux investissements, satisfaire les besoins essentiels des populations, défendre les intérêts stratégiques du pays, créer le consensus pour harmoniser toutes les actions du gouvernement sont un exercice qui prend aujourd'hui un caractère de nécessité. Il est impératif d'être laborieux, exigeant, vigilant, solidaire et honnête au service de l'État et du peuple haïtien. Nous sommes convaincus que ceux et celles qui partagent le rêve de campagne véhiculé par son Excellence Jovenel Moïse, président de la République, et qui sont avec nous au timon des affaires publiques, ont fait de leur mieux. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, la reddition des comptes est une formalité annuelle d'ordre public et s'impose à tous les concernés, comptables de droit ou de fait. Référence article 16 du décret du 23 novembre 2005. Donc, la primature attend de ces échanges les résumés des faits marquants de votre gestion, les commentaires et les recommandations y relatifs. Elle aimerait prendre connaissance de vos opinions et de vos propositions sur la situation actuelle et sur la marche de l'ensemble du gouvernement. Cet exercice doit aboutir aux résultats concrets de vos actions prioritaires, issues de la conjugaison de vos efforts, de votre sens des responsabilités et de dévouement
au service de la République. Je voudrais remercier tous les ministères qui ont pris part au forum sur la compétitivité et l'investissement. Les ministères chapeautant les secteurs prioritaires identifiés dans ce travail de consensus entre les secteurs publics et privés sont appelés à intégrer dans leur programmation pour les prochaines années les actions retenues dans les matrices discutées et qui devront être harmonisées avec les priorités sectorielles identifiées dans les feuilles de route.